tout le monde, OVNI en roue manie. J'avais juste fait la présentation, c'était il y a à peu près 2 mois. J'ai pas fait plus. Donc, de Flying Disc France, je remettrai des liens hein, avec Jean Librerot, le traducteur que je connais aussi. En plus, c'est fascinant parce que, bon, c'est un complément avec la vidéo que je vous ai balancée derrière, Contact OVNI au Brésil. Ce que j'aime bien, c'est que ça monte là. Celui-là, il est énorme, ce livre. C'est magnifique, celui-là. Là c'est blindé d'informations bah, comme tous les autres. Mais celui-là, ce que j'aime bien c'est qu'il est imposant. Ça c'est un livre, c'est imposant. Franchement, ce que j'aime bien c'est que derrière, il n'y a rien d'écrit sur. Voilà, il n'y a rien d'écrit. Il n'y a pas de résumé, il n'y a rien. Ça j'aime bien parce que ça change. C'est original. Tout ça c'est Flying Disc France, Flying Disc France, Flying Disc France. J'en mettrai celui-là aussi. Où en est ici. Bon, il y en a tout plein, j'en dois avoir une dizaine de Flying Disc France. Jean Librerot, tiens, faut que je leur contacte bientôt parce que longtemps que j'ai pas téléphone aussi. Enfin, il pas souvent là aussi avec ses petites conférences et tout. Souvent, il est pas ici, il est pas en France. J'essaie de leur rappeler aussi. Ça aussi, c'est fascinant ce livre-là. J'avais fait plusieurs vidéos. Objets aquatiques non identifiés en eau russe et internationale. Ou on peut aussi dire OSNI, objets sous-marins non identifiés. Mais de toute façon, pour moi, ça restera un OVNI. Je vois pas la différence. C'est pas parce qu'il rentre dans l'eau que voilà. Oui, parce qu'il vole aussi dans les airs. Donc, bon, c'est quand même assez curieux. Ça aussi, c'est fascinant ce livre-là. Fascinant. J'en mettrai ces 5 livres-là. Je vais pas tout remettre pour la fin. Ça sera déjà pas mal. Plus celui-là. Au OVNI en Roumanie. À part ça, c'est pas partout. Hein, c'est pas mondial. Non, bien sûr. À part ça, c'est qu'aux États-Unis. Oui, bien sûr aussi. Bon. Toujours un petit peu rigolo d'entendre ça quand même. C'est partout, c'est mondial, et puis de toute façon on en parle de plus en plus, donc c'est tout, voilà. Moi, les sujets qui me fascinent le plus en ufologie, c'est les abductions, enfin, les expériences sœurs, c'est comme ça qu'on dit, les expériences sœurs, les abductions extraterrestres, hein. Les enlèvements extraterrestres, pour être plus bref, et les mutilations de bétail, pour moi c'est les deux sujets les plus sensibles. Après, le troisième sujet que j'adore dans l'ufologie, pour moi ça devrait être même le premier de rang, c'est toutes les constructions sur Mars, la Lune, enfin tout ce que j'ai dû montrer sur Mars, ça, l'île d'André, tout ça, un peu partout, ça c'est quelque chose d'énorme. Puis les programmes spatiaux secrets et j'en passe. Bon. Allez, les premiers cas signalés, c'est des observations les plus anciennes, et c'est même très intéressant, déjà ça commence en 1517, hein, j'étais à peine né à cette époque déjà, donc là c'est très intéressant. Hein. Bon. OVNI en Roumanie. Flying Disc France. Bon, faut bien un peu d'humour. Hein. J'avais fait que la présentation il y a à peu près 2 mois. J'ai regardé, parce que je classe tout sur mon truc YouTube, Odyssée aussi. Donc, c'était il y a 2 mois à peu près. Donc, j'avais pas fait plus, quoi. Couverture assez simple, mais j'aime bien. Puis en noir et blanc, ça change. OVNI Cigare, j'adore. Mes préférés. J'aime bien que le couple, là, c'est magnifique, ça. Je trouve que ça fait vraiment, je vais pas dire symbolique, je sais pas, mais ça fait beau. J'aime bien. Ça fait classe. Bon, de toute façon, je vais vous lire directement les observations les plus anciennes. Le résumé, vous l'aurez à la fin. Hein. J'avais déjà fait la présentation. Bon, je pourrais le refaire, mais déjà que la grande vidéo que je vous ai balancée avant, Contact OVNI au Brésil, qui fait 50 minutes quand même. Allez, les premiers cas signalés, les observations les plus anciennes. Pour autant que je sache, les cas les plus anciens d'observation d'OVNI en Roumanie sont deux observations datant du XVIe siècle. Le premier cas date de l'année 1517, le 8 novembre. On vit un grand signe dans le ciel. Cela brillait dans le ciel en direction du nord et cela ressemblait à un visage humain. C'est resté immobile au même endroit pendant un long moment avant de s'évanouir. Le texte est tiré. Alors là, c'est en. Je vais pas le lire parce que c'est compliqué, c'est en roumain. Du annuaire du pays de la Moldavie. Alors, écrit par Grigore Urech, alors 1590-1647, un seigneur qui avait son entrée à la cour du souverain de la Moldavie. Ce cas fut mentionné par Danila Lucia Arama, paléographe en chef au département de manuscrits de la bibliothèque de l'Académie Roumanie. Dans l'article intitulé cela pouvait-il être des soucoupes volantes? Heureusement que c'est traduit parce que. Publié dans le numéro 12 1968 du magazine Historique. Ce fut l'unique article consacré aux ovnis dans ce magazine. Dans le même article, il est mentionné d'une deuxième observation le 15 octobre 1595, alors que Michel le Brave, prince de Valachie, c'est marrant ça, a assiégé la ville de Targoviste, capitale de la Valachie. Temporairement occupée par les Turcs, une grande comète apparut au-dessus du camp militaire au bout de 3 jours. Les Turcs furent vaincus et chassés.
C'est ce qui est marqué. Bon, 1595, d'accord? De nombreuses sources contemporaines décrivent cet événement. L'une d'elles est un journal de Transylvanie, alors je pense à Dracula, hein, évidemment, Vlad III l'Empaleur, qui affirmait que la petite comète était restée une heure ou un peu plus. Dans un compte-rendu en italien, à Prague, le 14 novembre, quand même, le 1595, il est mentionné encore que la comète a été observée pendant 2 heures. Et il y a aussi une ancienne gravure allemande, imprimée en 1665, qui illustre le cas de Targoviste en 1595. Aucune archive astronomique ne mentionne une comète à cette date, et une comète n'est jamais observée en un seul lieu ou une seule date. Il faut donc admettre que cette observation est non identifiée. Dracula, je pense au film, magnifique film, je suis sûr d'en avoir, je m'égare, mais de Francis Ford Coppola, qui est sorti en 92, je crois, Dracula, magnifique. Pour moi, c'est un des plus beaux, ouais, je pense, de film des soirées Dracula. Bon, Dracula. Dans son livre Extraterrestri en Roumanie, Calin Turcu a rapporté plus de 60 observations célestes étranges antérieures à 1800. La plupart d'entre elles sont probablement des bolides, des pluies, des météores, bon, des aurores boréales ou d'autres phénomènes météorologiques rares. Ils sont généralement interprétés par des témoins comme des signes célestes ou des signes d'événements à venir. Dans ce qui suit, je présentais seulement un petit nombre d'exemples, étant entendu que certaines expressions roumaines anciennes sont difficiles à traduire et plus difficiles encore à comprendre. Bah oui. Le 2 février 1657, en Transylvanie, Le 2 février 1657, on vit dans le ciel 3 étoiles comme embrasées, luttant entre elles. Puis il rejoignit une 4e étoile qui était elle aussi remplie de feu et qui était beaucoup plus grande que les autres. Cela dura environ 2 heures, quand même. Et cela prédit qu'il y aurait à l'avenir de nombreux princes et de nombreux royaumes. Chronique de Transylvanie. C'est dans un livre, page 197 de Cross. Bon. Le 5 et le 6 décembre 1737. Bon. Entre 20h et 2h du matin, à Banat, Banat, pendant l'année 1737, après dîner, la veille de la Saint-Nicolas, un signe apparut dans le ciel en direction du nord, rouge sang et de grande dimension. 2 heures après, la lumière se divisa en deux, puis s'est réunie à nouveau avant de se déplacer vers l'ouest. Cette note prise à Brasov figure sur un manuscrit roumain qui se trouve à présent dans la bibliothèque de l'Académie roumaine, sous le numéro 2342. Bon. Le 5 octobre 1768, en Roumanie, le capitaine Poltlog Dumitrescu me raconta ce qui s'était passé à Kalor, qui se trouvait dans sa demeure à Tarnoka, dans le nord de la Moldavie, à présent en Ukraine. Entre le dimanche soir et le lundi à 4h du matin, ils virent un signe dans le ciel. Plus précisément, ils virent un horizon rougeoyant au soleil couchant, et pendant une demi-heure, l'objet n'a cessé de s'élever et de descendre. Puis un nuage noir descendit sur ce feu. Alors, polymorphisme, mimétisme des ovnis, encore une fois, ça peut être un camouflage, hein. Que ce soit 1768 ou 2023, ou, hein, bon, ouais, c'est toujours pareil. J'ai encore des vidéos comme ça, bizarre, avec des nuages, camouflage, bon. Là, parce qu'on parle bien aussi d'un. Entre le dimanche soir et le lundi à 4h du matin, ils virent un signe dans le ciel, plus précisément, ils virent un horizon rougeoyant au sol couchant. Et pendant une demi-heure, l'objet n'a cessé de s'élever et de descendre. Puis un nuage noir. D'où vient ce nuage? Noir descendit sur ce feu et un horizon blanc apparut au-dessous. Des gens ont dit que quand ils se trouvaient à Godinesti, du côté du moulin, ils l'ont vu également, mais cela avait l'apparence d'une chaise de feu surmontée d'une couronne, après quoi il ne restera qu'un nuage noir. On peut oublier que là, nous étions en 1768, le 5 octobre. Peu importe, le 5 octobre 1768. Le 27 novembre 1793. Le dimanche, à 2h30 du matin, la terre trembla 3 fois. J'étais à table à Floresti, au nord de Bucarest, avec Monseigneur Sardar Constantin Pénaru. Le soir suivant, à la même heure, la lune, en une demi-heure, traversa tout le ciel, depuis l'heure du déjeuner jusqu'au crépuscule, puis s'immobilisa. Le premier signalement d'un phénomène de type ufologique dans les médias parut dans un journal de Iași. Alors, Albina Romanasca, dans le numéro 71 du 9, alors ça remonte en plus, hein, du 9 septembre 1837, on lit dans la nuit du 29 au 30 août, on vit en plusieurs endroits du pays, depuis les hauteurs de Moldavie, un météore ou une apparition physique que nous rapportons comme suit.
Le jour était paisible, la température de 24 degrés Réaumur, 30 degrés Celsius. Quant à 23 h, on aperçut au-dessus du monastère de Néam un globe sphérique brillant de la taille de 12 mains. Ce météore descendit dans l'atmosphère sur une ligne oblique en direction du couchant. Il survola lentement la cour du monastère, illumina les prés d'une couleur vive, les prés, pas de prés, des prés, une couleur vive et scintillante, et projeta des étincelles comme une étoile filante. Depuis les environs, comme le monastère Targu Neam, on aurait cru que le monastère était en feu. Le météore fut observé à Dorowai à la même heure. Il s'agissait probablement d'un bolide. Donc quelque chose de solide, hein, forcément. Beaucoup plus intéressante est une observation faite dans la ville de Sibiu le 20 décembre 1853 à 21 h. Le 20 du mois et à 9 h du soir, au-dessus de Sirius, un phénomène aérien fut observé au-dessus de la ville. On vit un nuage conique, encore une fois une forme de nuage, mais un nuage conique, hein, qui se déplaçait autour de son axe et changea de direction pour se diriger vers Santa Elisabetta. Elisabeth, nom d'un village proche. Ce mouvement fut accompagné par un bruit semblable à une locomotive qui se mit en mouvement. L'intensité du bruit alternait tantôt fort, tantôt faible. Finalement, le phénomène disparut dans un petit éclair. Évidemment, en hiver, la probabilité d'un nuage conique qui émettrait des bruits fonctionnels n'est pas facilement explicable. La disparition de l'objet suscite également des interrogations. Alors, polymorphisme. Mimétisme, disparition, dématérialisation, matérialisation du phénomène OVNI, enfin ufologiquement. Cela ne ressemble pas à un phénomène météorologique. Ben oui. Le grand poète et philosophe roumain Lucian Blaga, 1895-1961, décrit dans son livre autobiographique Les Chroniques et les Chants des siècles, alors, un cas qui se produisit pendant l'été 1904. Alors déjà, on arrive plus à hein, 1900-1904, bon. L'été 1904, dans les monts Apuseni, les Carpates occidentales en Transylvanie, une nuit longtemps après le crépuscule, un vieil homme était assis sur sa charrette dans les champs. Il était éveillé ce moment-là. Soudain, il vit une roue de feu descendre depuis l'horizon à travers les monts Apuseni. La roue était en rotation et approchait rapidement. L'homme prit peur. Quand elle fut proche, la roue de feu prit l'apparence d'un homme. Les deux hommes se regardèrent l'un dans l'autre, sans dire un mot. Cette rencontre fut interprétée par des villageois locaux comme étant un signe. Cette histoire est proche de l'expérience du prophète Ézéchiel. Oui, dans la Bible, bah oui. Hein, de toute façon, pour moi, d'ailleurs, je pense même une abduction carrément. La vision d'Ézéchiel, hein, telle qu'elle est décrite dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que le livre d'Enoch, c'est pareil, il a été un petit peu interdit comme ça, parce que, bah oui, on parle de des races. Hein. Ah, ça fait chier tous les. Bon, ça, évidemment. Hein. Comme toujours, des représentations d'OVNI sur les murs des églises de Roumanie. Comme partout dans le monde, on trouve d'antiques témoignages d'observations d'OVNI dans des documents écrits, mais aussi dans des peintures, principalement dans des églises, parce que des gens ordinaires interprétaient ces phénomènes comme étant des signes divins. Oui, donc là, déjà, nous sommes. Alors, c'est pas marqué la date. Ah, là, c'était en 1583. Je pense à Fatima. La vision de Fatima, c'était 1915. J'ai deux livres sur ça, ou 1914, ou 1915, un truc comme ça. Et maintenant, on se rend compte que cette vision-là, c'était ufologique. Hein. Ça n'a rien à voir. Une divinité, bon, on pourrait croire que c'est une divinité, mais c'est pas quelque chose de. Voilà. La ville de Darkovist, je vous rappelle que. Ça va revenir après. Fut la capitale de la Valachie pendant plusieurs siècles. La construction de l'église princière fut terminée en 1583. Les fresques intérieures n'ont pas été repeintes, seulement restaurées avec tous les personnages d'origine, et les objets sont restés les mêmes, comme l'a relevé le journaliste et ufologue Gabriel Tudor sur le mur occidental de la nef. Nef, Nef. La fresque représente le moment où Moïse reçoit les tables de la loi sur le mont Sinaï. Et nous remarquons un personnage qui n'est pas mentionné dans le récit biblique. Il est représenté comme un ange, placé au milieu des deux cercles concentriques, et il semble être sorti à l'instar pour observer la scène. Que sont ces deux cercles? Alors moi, je crois que ça me dit quelque chose, ce truc. Frère Jorgan, il me semble que c'est il y a un personnage là au milieu de voir Jésus, je sais plus, la croix, c'est peut-être autre chose. Là, dans une sorte de sphère, il y en a qui se retournent derrière. Ouais. Je pense que c'est ça, mais je suis pas sûr.
J'essaie de retrouver. Il est représenté comme un ange placé au milieu de deux cercles concentriques. Il semble être sorti à la star pour observer la scène. Que sont ces deux cercles? Certainement pas des nuages. Ceux-ci étant représentés de façon tout à fait différente dans les pâtures voisines. Ils ne peuvent pas non plus représenter des étoiles ou la lune, car on distingue le soleil dans la même fresque. Ces rayons étaient mis en évidence comme pour souligner que la scène a eu lieu en plein jour. Ces deux cercles pourraient-ils être une ébauche graphique primitive d'un ovni en forme de disque? Alors, c'est peut-être pas le même truc que je vois dans ma tête, mais bon. Pourvu d'un dôme que l'un peintre anonyme, incapable d'une représentation tridimensionnelle, aura dépeint sur la forme d'un cercle à l'intérieur d'un autre cercle. Voilà. L'écrivain et chercheur Victor Kernbach, 1923-1995, spécialisé en mythologie, dans son livre Énigme des mythes astraux, hein, astral, astro, hein, a précisé que des fresques analogues se trouvaient dans les églises de Bucarest, telle l'ancienne église Saint-Spyridon et l'église Bucure. La première a malheureusement été détruite sous le régime communiste, mais le second existe encore. Les représentations picturales sont du même type que celles de l'église princière de Targoviste. L'ufologue Kalin Turku, 1942-2006, a mentionné dans son livre Extraterrestre en Roumanie sur les murs de la chapelle Lenici, dans le comté de Gorj. Gorj, on peut distinguer une peinture très différente des autres. Le dessin réalisé au début du XVIIe siècle représente l'Annonciation au-dessus de l'archange Gabriel de la Vierge Marie et représentait un véhicule céleste. Je vous remettrai comme une présentation à la fin, peut-être que ça n'a pas rapport avec ça, mais moi je vois un truc, une fresque avec deux trucs comme ça, Jésus au milieu, la croix. Et ça c'est fascinant, j'essaierai de retrouver. Hein. J'ai essayé. Mais ça sera peut-être pas le même rapport, mais c'est pas grave. Au-dessus de l'archange Gabriel et de la Vierge Marie, il représentait un véhicule céleste ayant la forme d'un double ballon qui, ici encore, ne peut être un nuage. À l'extrémité de l'objet volant se trouve un tube mince duquel des filets rouges semblent éclater et être absorbés par un nuage rouge. Sur les murs du monastère de Tutana, ah bah c'est peut-être ça. Comté d'Arges, bâti en 1577 et représenté, bon alors c'est encore autre chose, un astronaute équipé pour le voyage spatial. Et nous sommes en 1577. Astronaute, hein. Sur les murs du monastère de Tutana, Tutana, comté d'Arges. Alors d'Arges, D apostrophe Arges. Alors, bâti en 1577 et représenté un astronaute équipé pour le voyage spatial, ce ne peut être un habitant de notre planète. Des images telles que celles qui sont présentées ci-dessus sont rapportées dans d'autres pays de confession orthodoxe, comme par exemple dans le monastère d'Ekani au Kosovo et dans un certain nombre d'icônes russes. Enfin, les Russes, la Russie. Guidi Schechter et Anan Sabat, membres de. J'espère que c'est traduit quand même. Alors, extraterrestre, Israël, Israélie, UFO, Recherche Association, bah, en Israël, ça doit être ça, extraterrestre, ouais, ont commenté dans un article une photo d'une fresque de l'église du monastère, pas loin du clocher dans la ville de Sighișoara, Transylvanie. La photo reproduite dans l'article est prise par Catalina Bortin. Sous l'image figure en Allemagne un passage, en allemand, pardon, un passage du psaume 137. Israël croit au Seigneur. Sur l'image se trouve un grand bâtiment, peut-être une église, au-dessus de laquelle flotte légèrement en oblique un grand objet en forme de disque. Encore une fois, c'est toujours un rapport avec l'ufologie. Vous n'allez pas me dire qu'après, il n'y a pas de rapport avec ça. Si. Toujours. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Hein. Bon, ouais. Et même bien avant toutes les religions. Ouais. En plus, forme de disque divisé en une dizaine de sections. Depuis le centre du disque pointant, bah oui, il faut se mettre ça en tête. Je suis désolé. Bon, voilà. Il y a un moment, un autre, faut dire la vérité. Hein. Pointant vers le bas, on voit une sorte de pic. Au-dessus de l'objet brillant se trouve une petite colonne sur laquelle on peut voir d'autres objets difficiles à identifier. Les auteurs n'ont pas pu identifier l'auteur des peintures ni leur date. Toutefois, le texte ne peut être antérieur à 1534. Date à laquelle Luther a traduit et publié la Bible en allemand. Les auteurs, pardon, ont également relevé que le même disque en suspension, divisé diagonalement en sections et présentant une tige en dessous, figure sur un certain nombre de médailles du XVIIe siècle, probablement des jetons utilisés dans les jeux. Ça va jusque-là.
L'article émettait l'opinion que ces objets représentent la roue de la vision, encore une fois, d'Ézéchiel. Alors on peut trouver ça aussi dans tous les châteaux, enfin pratiquement les châteaux de Chambord, château de la Loire, c'est ce qu'il dit Didier Coilhac, Coilhac, j'ai tous ces livres, je dois en avoir 4 ou 5, sa compagne c'est Julie Couvreur, hein, faut le trouver sur YouTube, ils font du très bon travail, hein, quoi qu'on en dise, et tous ces châteaux-là, alors France Toussaint, François Ier, Léonard de Vinci, tout ça c'est une codification, encore une fois, qui vient d'ailleurs. Il y a plus rien, je voulais dire, il n'y a plus rien qui me, franchement, qui m'étonne. Maintenant, tout ce que je vois, tout ce que j'ai lu, à force, bon. Une peinture similaire se trouve dans le Liber Prodigiorum, un livre écrit par Julius Obsecken, historien romain du IVe siècle. Le livre qui décrit des observations célestes inhabituelles au-dessus de Rome fut imprimé seulement en 1552. Voilà, déjà IVe siècle, c'est en 400, l'an 400. Et c'est pratiquement 1000 ans plus tard que ce livre fut imprimé seulement en 1562, hein, plus de 1000 ans, bon, avec des gravures d'époque. Les auteurs relevèrent quelques différences entre la peinture de Sigisoara et les objets figurant sur les médailles. Par exemple, ces derniers présentant presque tous un cercle d'étoiles sur la circonférence, alors que ces étoiles ne se trouvent, retrouvent pas sur l'objet représenté à Sigisoara. Alors, avion fantôme, alors là on avance, hein, au-dessus de la Roumanie, janvier 1913. Bon, il y a plus de 100 ans quand même. Bon. Alors qu'il fouillait dans les vieux journaux roumains, à la bibliothèque de l'Académie roumaine, Ioan Obana découvrit qu'en janvier 1913, un certain nombre d'objets aériens étranges avaient été observés dans l'espace aérien roumain. Tous vivement lumineux. Des témoins déclarèrent que les objets effectuaient des virages très serrés au-dessus de leur village et montraient une prédilection pour les casernes militaires de Foxani, Yassi, Braila et Targoviste. Les intrus furent observés à l'aide d'instruments d'optique, alors janvier 1913, hein, et furent suivis sur de grandes distances sur ordre du ministère de la Guerre. Des soldats tirèrent des salves sur les objets sans effet. Étant donné que des unités militaires étaient impliquées, Ioan Obana interrogea les archives de la Défense nationale en quête de documents relatifs à cet incident. 9 rapports furent retransmis, mais à mon avis, il y a sûrement des autres rapports, ils ont pas dû en mettre, parce que, à bouche cousue, j'imagine, hein. 9 rapports furent transmis. Il s'agissait des rapports remis à l'inspecteur général de la gendarmerie rurale, le général Alexandru Averescu, qui était aussi le chef d'état-major de l'armée. Si nous ajoutons à cela les 14 reportages de presse, cela veut dire qu'il n'y a pas moins de 23 rapports sur ces observations en moins d'un mois. 23 rapports en moins d'un mois. 1913. On avance à l'hypothèse que ces observations impliquaient des avions de reconnaissance russes. Cependant, les performances générales de l'aviation, encore une fois, c'est les Russes, hein, c'est toujours les Russes. Dans les films américains, c'est toujours les Russes aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est toujours rigolo, bon, bref. Hein, toujours la méchante bébête, on va dire. Cependant, les performances générales de l'aviation en janvier 1913 excluent cette interprétation. À cette époque, les reconnaissances aériennes et fortifications et du mouvement de troupes s'effectuaient exclusivement à la lumière du jour, et les avions civils et militaires de l'époque ne disposaient pas d'éclairage ni d'autres puissants émetteurs de lumière. De même, il semble impossible d'écrire tous les phénomènes lumineux comme étant des corps célestes, la planète Vénus, oui, ou les heures et les directions indiquées, ainsi que les mouvements des lumières non identifiés n'étant pas cohérents avec ceux d'un corps céleste. Et nous étions en 1913, à janvier. Quand même. La première moitié du XXe siècle. Après, je coupe là, ce qui sont déjà pas mal. Parce que je ne pense pas que je vais faire jusqu'au bout. Bon, on va s'y aller. Attention, pendant qu'on y est. Les observations ont continué pendant la première moitié du XXe siècle. Je me borne à mentionner un petit nombre de cas en Roumanie qui furent connus de l'autre côté du rideau de fer grâce au livre. J'espère que c'est traduit. Les ovnis en Russie et dans les pays de l'Est. Robert Laffont, édition 1976. Ouais. Un directeur d'école né en 1901 rapportant en 1969 un incident qui était survenu dans le village de Bujoreanca, 30 km au nord de Bucarest, dans le comté de Dâmbovița, Vita, alors qu'il avait 13 ou 14 ans.
Pendant l'automne 1914-1915, à la tombée de la nuit, il se trouvait à table dans le jardin avec sa famille quand leur attention fut attirée par un objet rougeoyant qui était apparu dans le ciel. L'objet avait la taille apparente d'un ballon de rugby ou d'une tête humaine et présentait une protubérance qui ressemblait à une tuyère d'échappement. Il se déplaçait en direction de l'est à une hauteur de 20 et 25 mètres au-dessus des jardins. L'objet émettait une sorte de sifflement ainsi qu'un souffle d'air qui fit ployer les cimes des chênes et des acacias, et laissa derrière lui un panache d'étincelles de 8 à 10 mètres de long. En même temps, ça doit être beau à voir. Bon, après, je sais pas, les intentions aussi, ça dépend des races, comme on dit. Le témoin poursuivit en disant que l'objet semblait s'être matérialisé, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, matérialisation et dématérialisation, hein, voilà, il peut devenir aussi invisible, hein, au-dessus d'une maison située à 800 mètres de distance, et s'être ensuite dématérialisé, voilà, au-dessus d'une autre maison. Cet objet volant réapparut pendant 5 ou 6 jours d'affilée, quand même. Quand même, ce qui est quand même déjà énorme. Un autre témoin, le fermier Yon, alors I-O-N, Bunescu, raconta de vive voix à Yon Obona, Obana, l'épisode étrange qu'il avait vécu à l'âge de 38 ans. Une nuit en juin 1926, je conduisais mon troupeau jusqu'à Lorda, un plateau à 400 mètres d'altitude près de Colin, 25 km à l'est de Sibiu. J'avais trouvé à cet endroit des pâturages verdoyants pour le bétail. C'était juste après minuit, soudain, depuis la direction du village Carta, une lumière apparut qui ressemblait à la lune. À mon avis. Quelques instants après, s'éleva un globe vivement éclairé. Un globe. J'en vois le truc. Qui se déplaça. C'est marrant, on voit le truc. Hein. On voit translucide, comme tu veux, métallique, mais on voit déjà la forme. Un globe. Bon, globe. On essaie de deviner, une sphère. Qui se déplaça rapidement en direction de Lorda. Pendant un moment, l'objet disparut derrière une colline, puis il réapparut et se trouve juste au-dessus de moi. Tout au moins, c'est ce qui me sembla. La clarté était si vive qu'a éclairé la rivière Holt, la rivière Holt, O-L-T, à 4 km de distance. Hein, ils n'avaient pas des stylos laser comme maintenant. Vous savez, les trucs, j'en ai un ici, mais c'est dangereux pour les avions. Je troquais ma distance. Là, 4 km. Hein. Nous étions en 1926. Bon, j'étais terrifié, je me suis jeté dans l'herbe. Derrière la lumière, je vis quelque chose de sombre. Cela ressemblait à un bateau de 3 mètres de long sur 2 de large, plus sombre au milieu. Cela n'émettait aucun bruit, ce qui parut étrange, comme un nef, quoi, un vaisseau, nef, N-E-F. Fut ce vent qui ne soufflait ni d'un côté ni d'un autre, mais directement sur moi depuis le sommet en direction de la base. L'objet resta immobile je ne sais combien de temps avant de se mettre en mouvement, la lumière à l'avant. Il remonta la berge de la rivière Holt, O-L-T, contourna un secteur de la forêt, puis s'évanouit simplement et disparut. À cette époque, les gens étaient rustres et superstitieux. Je racontais l'observation à d'autres villageois le lendemain matin. C'est fascinant parce que c'est toutes des observations, enfin des histoires, des observations, j'ai pas fait exprès, que je ne connaissais pas du tout. Parce que ces livres-là, j'ai même pas encore lu. Hein. Alors, en plus, c'est pire, hein. J'en ai tellement d'autres que j'ai pas lu. Hein. J'ai même pas fini celui de Contact OVNI au Brésil. Contact OVNI en Italie, j'ai presque fini. Et Atterrissage d'OVNI au Royaume-Uni, j'ai pas lu non plus. Alors, j'imagine le truc. Hein. J'en ai tellement à lire. Bon. Alors, je racontais l'observation à d'autres villageois le lendemain matin. Quelques vieilles femmes arrivèrent à la conclusion que j'avais vu Lazare Teka, un homme de notre village soupçonné d'être un Strigoi, je sais pas ce que c'est. Alors une sorte de mort-vivant, oh, d'accord, ça c'est. Sur qui le bruit courait qu'il avait fait un pacte avec le diable et pratiqué les sorts et les envoûtements. Oui, il faut pas oublier que nous étions en 1926. Hein, et puis le terme soucoupe volante n'existait pas encore. C'était Kenneth Arlon en 1947. Donc en 1926, c'était 20 ans avant, hein, pratiquement. Donc, encore une fois, il y en a un, il n'y a pas longtemps sur Facebook, il m'a dit tout ça, c'est des phénomènes diaboliques. Non, arrêtez de dire des âneries, je suis désolé. On n'est plus en ancien temps, c'est fini. Ça. Surtout que maintenant, on a l'heure de la divulgation, hein, révélation, que je peux remettre tout bien quand même. Je regarde si j'ai pas noté autre chose. Non. Rencontre galactique, quelquefois je retenais des trucs qu'il faut pas. Non, ça ne voyait rien derrière. Rencontre galactique. D'accord, maintenant on le sait, Ena Danahan, David Rousseau, bon, on n'est pas là pour rien. Et c'est la première fois en plus en France. Il risque pas de se reproduire ce genre de conférence à Tours. Ce qui va être fascinant, alors j'ai pas pu parce que bon, voilà, c'était déjà réservé. Et puis c'est pas plus. J'habite dans le Nord quand même. Hein. Bon, puis 21-22 juillet.
Après, ça dépend des dates. Ça doit être fascinant. Voilà, hein, maintenant on le sait à l'heure actuelle. Bon. Alors, ne pas de démons, faut arrêter. Hein, on n'est pas dans le paranormal. Hein. Même si ça se joue un petit peu, d'accord? Bon. Fait un pacte avec le diable et pratiquer les sorts et les envoûtements. En fait, Lazare Tekka n'était pas un Strigoi. Alors, c'était Strigoi, Strigoi. Hein. Mais il avait l'habitude de marcher pendant la nuit et de voler du lait de vache. Je ne sais que dire, mais je suis sûr que ce n'est pas un mirage. Soulignons que Yon Obana reçut, il y a de nombreuses années, une vieille photo intéressante prise dans la ville. Alors, j'aurais bien voulu la voir, justement. Prise dans la ville de Sebes, S-E-B-E-S, Transylvanie, en 1923, montrant un objet inexpliqué de type ovni près du clocher de l'église. Ça, c'est fascinant. Un ovni près de l'église, c'est fascinant parce que là, ça choque. Hein, bon. Après 1950, et après, c'est fini. J'imaginais qu'il y a une grande vidéo déjà qui fait 50 minutes, plus celle-là. Hein. Dans les années 1970-1980, oula, 80, c'est là où je suis déjà. On remonte. Hein. Les ufologues roumains Ion, Obana, Calin, Turcu et d'autres mirent à jour une série d'incidents ufologiques antérieurs. Je résume, bah, déjà, ça remonte quand même. Bon. Je résume ci-dessus quelques-uns des cas de ces cas tirés des années 50 et du début des années 60. Dumitri Coca, il s'appelle Coca, c'est rigolo. Bon. Un professeur à la retraite raconta l'histoire suivante à Kaline Turku. Je vivais à une époque à Arsénis, dans l'une des vallées des monts Fagara, dans le comté de Brasov, une nuit d'été de 1955, entre minuit et 1 h du matin, je me trouvais sur la route avec ma femme en train de regarder notre maison. Sur la droite entre Fagara et Arsénis, coule un petit cours d'eau et les plaines s'étendent sur la gauche. Alors, la gauche à moi, évidemment, vous, ça va faire à droite. Bon. À environ 500 mètres du village, je remarquais à une hauteur approximative de 1000 mètres un objet assez étrange pour que je ne m'inquiète de le voir se rapprocher. C'était un objet circulaire. Il émettait un anneau d'étincelles blanches. L'objet volait à grande vitesse en direction du versant gauche des montagnes. Il était bleu avec des brillantes raies blanches. Je n'entendis aucun son. Oui, parce que généralement c'est silencieux, il n'y a pas de bruit. Hein. Ça oui. Bon. La scène dura 3 minutes ou un peu plus. La nuit était calme et claire. Et je dois dire que les conditions d'observation étaient excellentes en plus. Ce qui explique la possibilité que j'ai confondu ce que je voyais avec l'un des phénomènes météorologiques que l'on observe de jour ou de nuit dans les montagnes. D'accord? Un jour de 1957, nouvelle histoire, l'ingénieur du cadastre Panteleimon Misov fit une rencontre étrange dans les monts Buseggi. Alors, les monts Buseggi, c'est intéressant, ça rejoint les livres de Radu-Sinamar. Si je ne me trompe pas, le Sphinx de Roumanie, le mont Buseggi, j'espère que c'est ça. Hein. Ouais, ça doit être ça. Fascinant livre, hein, j'en ai quatre. Le dernier livre qu'il a fait, Radu-Sinamar, c'est La Femme en Bleu. Peut-être qu'un jour je viendrai sur ce livre-là, je sais pas, je suis en train de réfléchir. Oui, mais bon, c'est Guy, ça doit être ça. Dans le comté Prahova. Bah oui, puis c'est Roumanie, hein, oui, forcément, le Sphinx de Roumanie. Bah, je suis con. Tiens, j'en remettrai le lien du Sphinx de Roumanie, je suis bête, exact. À la fin, le Sphinx de Roumanie, j'en remettrai le livre de ce lien-là, qui est fascinant, Radu-Sinamar. Le Sphinx de Roumanie. Oui, parce que même là-bas, il y a un Sphinx. Et en dessous, il y a un intra-terre. Pour ceux qui sont endormis. Ces mots furent alors que nous étions en train d'effectuer un travail. Ah, ouais, ça, c'est pas la télé, vous allez entendre ça, je vous le dis, loin de là. Hein. Pour le cadastre de notre équipe. De toute façon, c'est trop sérieux pour moi pour passer ça à la télé, je suis désolé, c'est même pas la peine d'y penser. Bon. Après, j'ai pas critiqué les gens comme Jean-Claude Bourret qui est déjà passé chez l'autre. Bon, bref, Hanouna, je crois qu'il n'est pas Jean-Claude Bourret, évidemment. Bon, c'est fascinant, mais on en a vite oublié, quoi. Hein. Les trucs chinois qui s'étaient passés des ballons, comme par hasard des ballons. Hein. Sorte de ballon, des ballons, comme les ballons sondes de Roswell. Oui, c'est toujours assez rigolo, c'est des ballons. Bon. Mais ce genre d'histoire-là, c'est moi pour moi, l'ufologie, c'est trop précieux. Je suis désolé, la télé, c'est pas assez sérieux pour voilà, aborder ce sujet-là. Il faudrait quelque chose de beaucoup plus solide. C'est pour ramener dans des émissions. Enfin, je parle pas de Jean-Claude Doré, mais être dans des émissions comme ça pour être des rigolos, c'est pas la peine. Bon. J'en ai rien à dire, mais c'est la réalité. Un jour de 1957, l'ingénieur du cadastre Panteleimon Misov vit une rencontre étrange dans les monts Buseggi, dans le comté Prahova. Ces mots furent alors que nous étions en train d'effectuer un travail pour le cadastre, notre équipe étant formée de 4 personnes, un engin volant approcha et nous survola à 200 mètres de hauteur. Quand l'objet est passé au-dessus de nos têtes, nous avons remarqué qu'il ne faisait aucun bruit.
Il ne pouvait donc s'agir d'un hélicoptère. L'objet atterrit un peu plus loin devant nous et les plus curieux d'entre nous allèrent jeter un coup d'œil. Nous approchions et étions à moins de 40 ou 50 mètres. Quand l'objet décolla soudainement, mais en douceur, il fit une sorte de danse devant nous. Il était très agile, puis il disparut. Oui, c'est un hélicoptère, oui, bien sûr. Une femme, il y en a qui vont toujours trouver des explications. Vraiment. Une femme médecin qui était âgée de 50 ans en 1971 rapporta à Johan, c'est dur à dire ça, Obana, une observation qu'elle avait faite une matinée de juin 1958. Elle exigea que son identité ne soit pas révélée parce que les gens se moqueront de moi. Bah oui, bah ça va. Bah puis même encore à l'actuel, même si on en parle de plus en plus, c'est toujours les mêmes conneries, quoi. Les petits hommes verts, Chewbacca, la soupe aux choux. Voilà la mentalité ici. Bah si, je suis désolé. Même s'il y en a qui sont réveillés comme moi, beaucoup plus, bon, on va dire, hein, spirituellement, etc. Mais il y en a, ils croient que c'est encore comme ça. Hein, c'est magnifique pour ceux qui se font enlever, qu'on n'a jamais retrouvé comme des enfants. Hein. C'est fascinant, bon bref. Elle exigea que son identité ne soit pas révélée parce que les gens se moqueront de moi. Il séjournait à Sinaï, une résidence dans les monts Busegui, à 4h du matin et elle se trouvait à la fenêtre de sa chambre d'hôtel située au deuxième étage pour contempler les premiers rayons de l'homme. Le ciel était clair et sans nuages quand, selon ses déclarations, un objet surgit de derrière les montagnes, approchant depuis l'est à environ 500 mètres de hauteur. Ça peut être aussi des ovnis. Qui viennent de l'intra-terre, pas forcément à l'issue. Hein. Il avait la taille apparente d'une voiture avec un dôme au sommet, semblable à un chapeau mou. Sous l'objet, il y avait une portion saillante, triangulaire, plus petite que le reste, et des points arrondis étaient répartis sur le contour. L'engin avait un éclat argenté, bon, c'est souvent le truc classique, les parties saillantes étaient bleues. Mais au sommet se trouvaient deux petits dômes, tous deux de la même couleur que le reste de l'objet. La vive luminosité qu'il émettait me fit penser qu'il reflétait la lumière du soleil. Bah, c'est une source d'énergie, hein, le soleil, hein, un petit peu à la limite, c'est comme du carburant, hein, pour eux, bon. Enfin, je pense. C'est comme les ovnis gigantesques qu'on voit, mais des vaisseaux mers gigantesques autour du soleil. C'est pas un hasard. Hein. Ces trucs sont tellement gros. Ça fait tellement peur qu'on se demande même s'ils sont pas plus gros que la Terre. Pour vous dire. Hein. Ouais, ça choque. Hein. Vous imaginez le truc. Hein. L'engin avait un éclat argenté et les parties saillantes étaient bleues, mais au sommet se trouvaient deux petits dômes, tous deux de la même couleur que le reste de l'objet. La vive luminosité qu'il émettait me fit penser qu'il reflétait la lumière du soleil. Alors, côté du soleil, justement, vous mettez, si vous cherchez UFO, ou des cubes noirs aussi autour du soleil, très étrange aussi, il paraît que ce serait pour enlever des gens, alors c'est un qui m'avait dit ça, mais bon, encore à vérifier. Vous mettez la sonde, je sais plus quoi, SOHO, S-O-H-O, UFO, Sun, soleil, vous allez trouver. UFO, SOHO, Sun, S-U-N, SOHO, S-O. H-O, en anglais c'est mieux, U-U-F-O, normalement vous allez trouver des images, si je me trompe pas. Je n'entendais aucun bruit et ce ne pouvait donc pas être un hélicoptère ou un avion que j'aurais facilement entendu. Par ailleurs, il n'y avait aucune trace de vapeur ou de fumée alors que l'engin se dirigeait tout droit vers l'hôtel. Cela n'a plus d'effet psychologique sensible. Il se déplaçait lentement et n'était pas animé d'un autre mouvement visible. Je pense qu'il s'approcha jusqu'à 300 mètres au moins. Puis survola les lotissements et descendit dans la vallée. Mon mari, qui était mort en 1962, ça malheureusement, fut témoin lui aussi. Nous n'avons pas pensé à essayer de prendre une photo. Bah oui, mais t'as le choc, t'as souvent le choc, tout ça, puis t'es perturbé. Hein, bon. Miway Sado, c'est dur à dire, Sado, Véanu, alors 1880-1961, était un personnage politique et un des plus grands romanciers roumains. Il était aussi président du syndicat des écrivains de Roumanie. Son gendre, Emanuel Manoliu, raconta à Ion Obana l'histoire suivante. À l'automne 1961, je me trouvais au monastère de Neham. C'était une belle soirée et je marchais en direction d'une maison d'été louée au pied du parc. 1961, bon, déjà c'est beaucoup plus proche. Bon. C'est plus 1500, 1700, 1800. Bon. Je fus soudain aveuglé par une vive lumière multicolore qui s'évanouit aussi vite qu'elle était apparue. À demi ébloui, je pus distinguer une sorte de bateau renversé.
surplombant une sorte de colline, une petite colline, au-delà du lac. Après quelques secondes, l'objet s'éleva verticalement comme un hélicoptère, mais certainement beaucoup plus vite. Cela ressemblait à un disque avec une base concave qui mesurait peut-être 6 à 7 mètres de long sur 3 mètres de largeur. Il disparut comme un tourbillon dans l'air. J'observais le déplacement de l'air causé par son décollage à une vitesse phénoménale, mais je n'entendis aucun bruit après être resté éveillé toute la nuit. Le lendemain matin, je me rendis à l'endroit où j'avais vu l'objet et j'étais accompagné par un prêtre qui était très sceptique. Bah, mais attends, logiquement, en même temps, il est prêtre. Très sceptique sur ce que je lui avais raconté. À notre grande surprise, nous trouvâmes à cet endroit des touffes d'herbes écrasées. C'est marrant, j'ai pensé à l'herbe avant de le lire. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a l'authenticité, il y a les traces, d'accord? L'atterrissage, on va dire. Des touffes d'herbe écrasées et une petite empreinte sur le sol comme faite par un objet solide. Donc c'est consistant, c'est solide, c'est un objet, hein, donc forcément. Il semble qu'il s'agit du premier signalement d'atterrissage d'OVNI en Roumanie. Le premier. Malheureusement, en cet automne 1961, le témoin de l'incident n'a pas pensé à prendre des photos ni à faire un croquis du site en question. Ouais, mais comme je dis toujours, le ridicule, tout ça, enfin, c'est plein de trucs. Hein. 1996. En 1996, Florin Goranescu, alors âgé de 51 ans, avait rapporté à Kaline Turku un incident survenu en 1961. J'avais 15 ans et je me trouvais à la résidence hôtelière Lacul Rosu, le lac rouge dans le comté Arghitan, à la Villa Murat Monument Public. Un soir, je me rappelle pas si c'était en juillet ou en août, juste après le crépuscule, je me trouvais devant l'édifice de deux collègues. Avec deux collègues, pardon. Il faisait sombre, le ciel était limpide et les étoiles brillaient. Bon, alors en plus, logiquement, il doit y avoir quelque chose. Nous contemplions le paysage en direction, il n'y a pas de nuages, hein, ce qu'il a dit. Hein. Alors, en direction de la falaise qu'on appelle Altar Hôtel. Hein, Altar, bon, hôtel. J'étais en train de discuter avec deux collègues quand je remarquais une lumière rouge qui attira notre attention parce qu'elle était située au niveau de Altar. Nous nous sommes, alors hôtel A-U-T-E-L, hein, pas un hôtel avec un O, hein, d'accord. Bon. Nous nous sommes mis à plaisanter en disant que c'était d'étoiles rouges électriques confectionnées en fer blanc, peint en rouge et placées au sommet de la colline Altar par les autorités communistes de l'époque. La lumière était rouge et étincelante, la différence d'altitude entre le village et le sommet de la colline Altar était d'environ 300 mètres. Pendant un moment, la lumière sembla demeurer immobile, puis se mit à se déplacer lentement en direction du nord-est. Ce fut seulement alors que nous comprîmes que c'était quelque chose d'inhabituel. Pendant la durée de l'observation, je n'entendis aucun bruit. La taille apparente de l'objet était celle d'une pièce de 2 à 3 cm de diamètre tenue à tout bras. Elle était de forme circulaire et d'un rouge très intense. La hauteur de l'objet était environ 60 degrés au-dessus de l'horizon. Depuis le 16e et jusqu'au 20e siècle, et ça finit comme ça, pendant 1500 jusqu'à 1900, hein, un ensemble de phénomènes étranges, y compris des observations et des atterrissages d'OVNI, ont été recensés en Roumanie. C'est pour ça que je vais remettre aussi le livre du Rat du Sinamar, le Saxe de Roumanie, qui est fascinant. Ces livres-là sont fascinants. Mais je pense même qu'il y a la conférence de rencontres galactiques, si je ne me trompe pas, le 21 et 22 juillet à Tours. Logiquement, ce monsieur-là, il doit être là, ou alors c'est quelqu'un qui le représente, je sais plus. Enfin bref, Radu Sinamar, il me semble. Bon. Alors, je recommence. Depuis le 16e et jusqu'au 20e siècle, un ensemble de phénomènes étranges, y compris des observations et des atterrissages d'OVNI, ont été recensés en Roumanie. À l'époque, personne n'aurait pu prédire la future vague d'observations d'OVNI qu'elle a occupé la recherche ufologique en Roumanie dans les années 60 et au-delà. La plus grande, c'est en 1954, la plus fascinante, hein, tout ce que j'ai vu, même en France, etc. La plus grande partie, quoi. Voilà, bon, je vais pas remettre, je vais commencer à rechercher les dessins, tout ça, c'est pas la peine. J'ai sûrement remettre ces livres-là, ceux derrière, et aussi le Sphinx de Roumanie. Voilà, ce sera déjà pas mal, parce que comme c'est la Roumanie, forcément, bon, c'est encore plus fascinant. Il y a même aussi, bah tiens, l'autre terre des dieux, j'en mettrai celui-là aussi, de Dayman. Il y a deux livres justement, on voit la tête, le sphinx de Roumanie. C'est encore mieux. Bref. Et je vous signale que ça fait une grande vidéo de 50 minutes, plus celle-là 44 minutes. Je sais pas pourquoi faire ça, hein, parce que là, c'est très très grand, hein, ce que je fais. Ça fait énorme. Hein, ça fait presque le même temps à la limite. Hein. OVNI en Roumanie,
de Dan D. Farkas. Traduction, Flying Disc France, Jean Libraireau. Et c'est fascinant. Allez, je coupe là. Voilà. Bon 3 jours. Facile. Hein, si c'est pas plus. Hein. 3 jours, 3 jours et demi. Bon. Parce que là, ça fait 2 grandes vidéos. Un bon 3 jours. Facile. Allez, je coupe là. Merci. À bientôt. Je remettrai celui-là aussi. De toute façon, je remettrai ces 5 livres-là. Juste derrière. Voilà. Et pour tout mettre. Et puis le livre de Radu Sinamar, Le Sphinx de Ouamani. Plus l'autre terre des dieux, si je crois que c'est ça, de Damien. Très intéressant aussi ce qu'il fait son travail sur YouTube. C'est fascinant aussi. Bah, toujours pareil, ils sont toujours critiqués. Hein. C'est toujours facile de critiquer. Voilà, c'est ça que je voulais retenir. C'était. Je vais essayer de retenir le truc ici qui avait dit ça. Enfin, je sais pas si c'est lui. Alors, tu ne seras jamais critiqué par quelqu'un qui fait plus que toi. Mais tu seras toujours critiqué par quelqu'un qui fait moins que toi ou rien du tout. Moi, je trouve que c'est très bien dit. Ça doit être ça. Je trouve que c'est très bien dit. Voilà. Il n'y a pas d'autre explication mieux que ça. C'est très bien dit. Et ça me fait toujours rire. Et c'est vrai en plus. Bon, allez, je coupe là. Merci. À bientôt. D'ici, ben, bon, 3 jours facile. Parce que 2 grandes vidéos qui font pratiquement 50 minutes toutes les deux, c'est énorme. Hein. Quand même. Je ne suis pas prêt à faire ça. Mais en tout cas, moi, ça me passionne. Donc après, bon, voilà. Quand j'en profite, et vous, ça vous fait plaisir aussi, et merci encore pour les abonnés, le nombre de vues, et tout est gratis, hein, gratuit, il faut pas oublier, en plus. Allez, je vous coupe là, merci, à bientôt, je vois beaucoup, je devrais payer, hein, faut pas déconner non plus. Moi. À bientôt, d'ici un bon 3 jours, à plus.